güzel. Je suis Charlie depuis 25 ans, je ne lis même plus dans le métro. Le faisais. Je suis Charlie depuis 25 ans, je ne lis même plus dans le métro. Des fois que vous dérapiez et que ça remonte, on sait jamais. Vous arrivez avec vos gants à tenir votre appareil. Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Mais pourquoi il était... Non, il n'était pas juif. Mais quand vous savez, on dit que les juifs sont les canaris de la République. Non, non. Les juifs sont les canaris de la République. Quand la République commence à aller mal, d'abord on s'attaque aux juifs. Il y a déjà eu beaucoup de juifs morts. Et maintenant c'est la République qui est attaquée. Voilà. Je sais, mon père a failli... Qui vient de mourir. Laisser les gens exprimer leur douleur. En plus, cette femme, elle souffre, elle était extraordinaire. Tout ce qu'elle disait, et elle vivait avec un musulman, donc elle n'était pas partisane. Hein. Non. Et tout ce qu'elle disait, c'était magnifique. Et il y avait une dame qui disait c'est pas le moment, c'est pas le moment, ou stop. Et, ah non, les gens ne sont pas prêts encore. Et je leur ai dit, mais laissez-la s'exprimer. C'est important qu'elle parle de son grand-père qui était chef de la résistance. Et c'est grâce à son grand-père qu'on est libre aujourd'hui en France. Ouais, les gens ont oublié. Hein. Et moi, je lui ai dit, vous inquiétez pas, madame, je comprends ce que vous dites. Je suis petite fille de résistance. Enfin, je suis fille de résistance. Mon père était résistant, il est parti en maquis à 18 ans. Un vrai gamin, hein. Et quand il a sauté notre train qu'il a amené à Dachau, ben, il a bien fait. De vie. Sinon, il serait mort. Et moi, je serais pas là pour tenir le panneau pour Samuel Paty. Je suis contente de vous avoir rencontré. Ben, c'est gentil. Merci, aussi. Le meilleur. C'est fantastique d'être en sujet comme ça. L'unité. L'unité. On est là. Même si Macron ne veut pas nous rendre. Et c'est les gilets jaunes. Merci. Je vais faire le tour, je vais aller voir. Il y a des gens qui font le tour. Mais c'est bien parce que ça va être difficile. Thank you.
quand même. Parce que la hiérarchie de l'éducation nationale, je connais. J'étais prof d'art plastique, d'histoire des arts, agrégé au mérite sur la Lorraine. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et dans mon quartier HLM où j'habitais, le plus gros de Bar-le-Duc, en Meuse, il y avait des Tchétchènes homophobes qui menaçaient de mort des gens comme moi. Et ils faisaient rien. Vous êtes du 11e ? Lundi matin, je suis dans le bureau de Vauclin. Le maire. Et dans le bureau d'Anne Hidalgo, après. Et elle a intérêt à me recevoir. Je la connais bien. Elle m'a trahi. Elle m'a promis un rendez-vous il y a 3 ans, je l'attends toujours. Et le maire du 11e, ça fait 7 ans. Alors avec des gens comme ça, ça peut pas marcher. Elle est détestée par la population ancienne. Mais j'en ai du courage. On est 3 dans le même corps, mon père qui est mort d'un médicament, et un jeune qui s'est suicidé à cause de son père. On est 3. Et bientôt, je vais prendre la parole nationalement, en séance de presse. Aussi des sketchs comme Coluche, mais je suis un artiste, mais un artiste très bon. Non, non, pas tout le temps, regardez ça. La liberté d'expression, la tolérance, Ah oui, je pense que là, il va le fliquer.
imposée par l'État, ça me gêne, moi ça me gêne un peu. Bah non, par contre, informer les enfants et avoir des cours effectivement qui ouvrent l'esprit sur toutes les formes de religion, oui, oui, mais ça c'est un peu. Il y a deux mosquées, une qui a été construite par. Racisme, il est chez nous déjà. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Je suis Yoav, je suis Amel. C'est les gens qui sont morts à l'époque. C'était quoi ? Les gens qui étaient morts à l'hypercachère à l'époque. Héros. Je me demande si. Ouais. Pour l'instant, on n'a rien dit. Ouais. Il y a une sorte de demi-masse à l'envers, tu ne peux pas avancer par le temps d'écouter. Thank you.
toujours agressif. Mais non, en fait, elle n'est pas agressive, elle est venue dans le berger, et après, elle a reçu le pic. Thank you.
ton cours, ça fait plus d'un an aussi. Berger qui a été égorgé, assassiné à Buidanra. Dans l'anonymat, personne. Il y a, les seuls qui parlent de lui, il n'y a que ses enfants, s'il en avait laissé. Oui. Et ses parents. Absolument. On est tous victimes du même. De la même barbarie, de la même ignorance. Voilà, du même projet.
Tu veux celui-là? Oui. Ça, c'est le bordel. Non, mais là, ouais, c'est le bordel. T'as compris que c'était le bordel. Je suis prof liberté. Je suis Mais vous êtes prof réellement ou pas? Je suis prof depuis 31 ans. C'est vrai? J'ai même créé une école. Oh non, bah alors là, il faut que je vous prenne. Hein. Vous permettez? Ah oui, oui, non. Hein. C'est la gloire déjà. C'est la gloire. Prof de quoi? De français philo. Français philo, écoutez bien. Madame, j'ai un frère qui est enseignant aussi, prof de maths. Il n'est pas là parce qu'il est malade. On a de quoi mais faire. Mais voilà, alors mieux, plus que jamais il aurait mais pu. Mais bravo à vous d'être là, bravo. Voilà. Il faut lutter. Je suis solidaire avec vous. Il faut que tout le monde lutte. On sera préféré. Il faut faire des actions et on ne sait pas quelles actions encore il faut faire. Il faut trouver des actions comme la jeune fille. Il faut trouver des actions à faire. Un gros plan. Parce qu'en ce moment à l'université, il y a des gens qui ne peuvent plus. Il y a des gens qui peuvent plus enseigner à l'université. Et il y a des étudiants qui ne peuvent plus étudier à l'université à cause de l'intégrisme. Absolument. D'un certain intégrisme. Mais voilà. Je rajouterais même qu'ils n'ont même plus la loi. Merci à vous. Ils n'ont plus la loi. Vous venez d'un autre pays. Je rajouterais qu'ils n'ont plus la loi. Oui, il y a. On leur dit. Ça veut dire, excusez-moi, la grossière, ferme ta gueule, sinon on tire dedans. Ça voudrait dire ça, hein. Il y a des gens qui renoncent. Ils finissent par renoncer.
Regardez, il était à peine appuyé par sa hiérarchie. Il est obligé de s'excuser. Et ça ne suffisait pas. Mais madame, dans la police, c'est pareil. Maintenant, il faut surveiller les écoles. Il va falloir un service d'ordre autour des écoles. Nous, on connaît dans les écoles privées, il y a un service d'ordre. Il y a des parents, on doit être alerté, les citoyens. Comme vous avez voisin vigilant à propos, il faut lui proposer ça comme moyen. Il faut que chacun soit vigilant. Comme il y a des quartiers où il y a des voisins vigilants. Très vigilants, très. Très vigilants. À notre époque, ça veut dire qu'il avait fait des repérages. Voilà, et oui. Moi je sais, je suis allé à des réunions de sécurité. Il y a des complices, il avait fait des repérages. Il suffit que tout le monde ait l'œil. Il suffit qu'il ait été désigné et ça c'était évité. Quant à la directrice qui a été obligée de l'amener à s'excuser et qui après l'a appuyé, mais c'est du délire. C'est du délire. On n'a jamais vu ça. Hein. Là, vraiment, à on sait très bien qu'il y a des quartiers où la police ne va pas. On sait très bien que... Moi, j'étais prof il y a 30 ans. En 89, j'ai commencé. C'était l'affaire du Tchador. J'étais prof à Crémont-à-Terre pendant l'année du Tchador. Moi-même, dans ma commune, ils ne viennent pas. Dans le Val-de-Marne, ils ne viennent pas. C'était déjà l'Oise. C'était déjà l'Oise. Les voyous, ils ne se dérangent pas. Je vous le dis. Et moi, j'ai choisi le privé après à cause de ça. Mais pendant un an, j'ai tenu bon. Je faisais des cours en plus à des petites Turques... Orpheline, pas orpheline, mais à des petites Turques. Et il y avait tout un village d'Algérie qui arrivait comme clandestin. Mais il y en avait qui étaient bien, d'autres qui n'étaient pas bien. C'est tout. Parce que vous parlez des enseignants, mais dans la police aussi, il y en a qui démissionnent. Et il y en a qui ne veulent plus y aller dans la police. Et qui se suicident. Et qui se suicident. On ne parle pas aussi de ça. C'est plus compliqué que ça. Et ça, ce que vous dites est vrai, mais il y a aussi des organisations racistes au sein de la police. Ça, on le sait. Il y a malheureusement oui, les deux. Oui, voilà, voilà. Je suis bien mais voilà. Monsieur, les forces de l'ordre qui... Bon, enfin, les organisations racistes, bien sûr, je ne sais pas si maintenant ils sont une minorité. Et maintenant, de toute façon, il y a un danger. Aussi. Bien sûr, mais il y a un danger. Non, mais le danger réel, on sait très bien quel est le danger, monsieur. Bien sûr, il y a un on danger. Sait très bien d'où vient la source depuis... J'écoutais parce que vous disiez que vous avez été prof de philo. Oui, je suis prof de philo et prof de français depuis 6 ans. Depuis 30 ans, 31 ans, prof de philo. Ça m'est arrivé il y a longtemps dans ces deux. Vous en avez vu de toutes les couleurs ou pas? Non, parce que je me suis abrité, je suis allé dans le privé. Mais j'ai commencé à créer mon tataire. Dans le privé, il n'y a pas ce problème. Il y a des problèmes de manque de respect. Dans le privé, choisissez vos écoles. Ça commence par ça, le manque de respect. C'est inadmissible. Mais bien sûr. C'est inadmissible. C'est pour ça. En aucun cas, ça doit avoir lieu. Bien sûr. Mais vous avez raison. Dans le privé aussi. Et vous travaillez dans quoi? Moi, je ne travaille plus. Non, je ne travaille plus parce que... Si la société dit... J'aimais bien Cabu. C'est écrit ici. Ah ouais. Combattons cette barbarie tous ensemble. Il y a des kebabs salades, l'autre en plus.